Re les amis, ça y est, on est de retour. Le bug est résolu. Et résolvé. Nous sommes donc dans la cité engloutie. Je me tiens sur mes gardes. Katana à la main. Faudrait que je me fasse le katana du... Mais je l'ai en plus, je crois, le katana du Poitain. Je l'ai fabriqué. Oui, oui, le Rédempteur est là pour éradiquer les vestiges vieillissants d'un peuple mourant. Tu viens me délivrer, je le sais. Alors, je suis déjà venu en solo, les amis, à cet endroit. Et j'étais reparti la queue entre les pattes. Parce que le boss est juste infâme. Donc, espérons qu'on ait plus de chance. C'est ce monsieur, là, qui est accompagné. Et ils sont là, nos animaux? Oui. Attention, je lance les hostilités dans quelques instants. Veilleur du dessus et veilleur du dessous, je suppose. Ça va. Et son collègue? Ah, son collègue, il est tout faible. Faut juste qu'on arrive à se faire le gros, en fait. Par contre, il fait ultra mal. Ne le laisse pas te taper. Waouh, waouh, waouh. Les dégâts de ces morts. On va passer à l'arc, hein. En plus, il est étourdi. Il enlève toute l'endurance. Vas-y, poisonne-le, poisonne-le. Oh là là, le sac à merde. Il a des... Qu'est-ce que c'est que ça? Des perles? Oh, c'est des perles. Tranchoir pour ce genre de païen. Il faut qu'on interagisse apparemment avec un truc. Faut qu'on interagisse avec un truc apparemment. Mais attends, on n'interagit pas pour l'instant. Parce qu'il y a ça là. Et ben quoi? Revenir attaquer, stop. Mais c'est pas ça qu'on interagit ici. Par contre, il a pas été cool invisiblement. Hein, ancienne hache lémurienne, il faut que tu appuies sur la hache. Saute. Pour te décoincer. Et là, il y a un bouquin par terre, c'est ça. Que ni le veilleur du dessus, ni le commandant des tréfonds ne relâchent leur vigilance, car le Rédempteur finira par arriver. Et alors il déchira le voile du temps et détruira leur prison. À sa venue, le sang coulera. À sa venue, le sang coulera. Sur la hache qui est dans la tête du monsieur... La hache dans la tête du monsieur. Si, s'il y a marqué qu'elle te suit. C'est tout ce qu'il y a à récupérer ici? Attends, continue. T'as son plan, c'est bon? T'as son plan de fabrication? C'est pour juste avoir le plan pour la fabriquer, hein, c'est tout. C'est pas pour la récupérer. Vous avez appris une nouvelle aptitude. Ancienne hache lémurienne. Je me tiens sur mes gardes. Oh là là, mais madame, il faut mettre un soutif. Sectateur de Dagon. Mais elle va te suivre, t'inquiète pas. Qu'est-ce que c'est que ces tenues? J'aime bien, moi je prends. Et sinon, tu peux pas tout simplement faire bouger, garder ou je sais pas, cesser de suivre. Eh ben moi, je vais lui demander de me suivre. Tu vas faire bugger mon Geralt. Allez, viens. Petit. Parce que monter la garde, on n'a pas le droit ici. Vu qu'ils sont pas autorisés, les PNJ asservis. Tu veux plus suivre? Bah écoute, je fais cesser de suivre. Je te laisse lui redemander de te suivre. Elle finira bien par nous rejoindre. Espérons, parce que Geralt, à chaque fois, c'est lui qui est aux premières loges. Oh là là. Mais faut mettre des soutifs, mesdames. Ça suffit. YouTube va vraiment pas aimer à force. Oui, c'était pas censé se passer comme ça, mais c'est comme ça. C'est moi qui dis. Non, non, suis la route. Suis le chemin. Non, mais j'étais derrière, hein, je me faisais un petit monsieur. Enfin, une petite madame, plutôt. Quand le monde a commencé... Ouh là là, c'est un boss, ça? Non, c'est un monsieur comme les autres. Il est en train de prier probablement un dieu païen qui n'est pas Ymir, le seul vrai dieu.
Pourquoi il a autant de paille sur lui? C'est quoi ce truc là, la petite loupiote? J'aime bien. Cela fait bien assez longtemps que j'attends. Faut qu'on saute? Tu veux passer la première? C'est bon, ça t'a pas tué? Regarde, magnifique, n'est-ce pas? Je leur ai donné des rêves de riets. De rillettes! Je les ai guidés les mains de leur maçon alors qu'ils travaillaient. C'est un bel hommage. Oui, devant nous, là, c'est très joli. Attends, attends, j'arrive. Ah ouais, putain, la cité en dessous! Vas-y, viens, viens, viens. Bah, on va remonter, mais c'est juste le temps de... Je remonte, je remonte, je remonte. Je plonge, je remonte à la surface. Et là, plus de maillot. Je suis à poil. Il y a des coffres. Hein. J'ai l'impression, en tout cas. Ça, c'est un coffre, là, en bas. Hein. À moins que mes yeux ne soient abusés par quelque sorcellerie. Non, prends pas le risque. On va... C'est bon, t'as suffisamment de souffle? Bon, j'arrive. En plus, on peut sprinter, je suis con. Quand t'es sous l'eau, tu peux sprinter aussi. Par contre, nos animaux, ils vont se téléporter à l'intérieur, j'espère. Bonjour, messire. C'est encore un boss. Par contre, si Geralt est pas là, et Geralt n'est pas là... Si. Si, nickel. Attends, c'est pas grave. Quand on va repartir, elle va nous suivre. Oh, j'y ai mis une flèche dans le dos! Ah, il est équipé d'un bouclier, lui, par contre. Il va moins rigoler, je pense. Attends, 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 attends. Parce qu'ils cherchent la merde, là, les deux, à l'arc. Mais, il suffit! Putain, ils font mal. Je vais mettre un petit pansement. 2 secondes. Putain, j'espère que Geralt, il prend pas trop cher. Je l'entends couiner, mon Geralt, non! Il lui fait mal. Tape-le. Touche pas mon Geralt. 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 Touche pas Geralt. Oh là là. Des perles, des perles. Il a un objet... Ancienne épée lémurienne. Attends, mais c'est fou. C'est quoi ce truc là? C'est un bouquin? Non, c'est pas un bouquin, c'est une trace. Elle est où l'ancienne épée lémurienne? Ah, faut juste interagir là-dessus. Ancien bouclier lémurien. Oh là 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 là, mais on se met bien ici, dis donc. Ça se casse, ça? Non, ça se casse pas. Dommage, ça a l'air précieux. Tiens, il y a des caisses! Ah non, ça se... Les caisses ne se... récupèrent pas. C'est quoi, ça? C'est de la pierre, on est d'accord. Couteau à dépouiller en pierre, mais qu'est-ce que c'est que ces gens en carton, là? C'est tout? C'était juste ça? Bon, bah ça va, finalement. Et je dans mon souvenir, ils étaient plus balèzes que ça. Hein. Finalement, en fait, on se les a fait easy. Par contre, là, c'est Geralt qui me suit plus maintenant, ça y est. Essaye de donner des instructions à... Parce qu'en fait, tu lui as peut-être donné l'instruction d'arrêter de se stopper. Tu faut lui dire déplacement. Bon, bah, de toute façon, elle va nous suivre quand on va... Quand on va se téléporter, elle va venir avec nous. C'est très joli, en tout cas. En plus, avec la mise à jour qui avait amélioré l'eau et tout, franchement, c'est pas mal du tout. Attends, il y a une autre entrée, là. Regarde. C'est peut-être pour avoir une armure lémurienne cette fois. Mais il y a 3 entrées en fait. Mais c'est rempli, il y a 4 entrées. On se les fait toutes. Qu'on soit pas là pour rien. Par contre, c'est profond. Hein. Tu commences par laquelle, celle-là? Ok, ça marche. N'oublie pas que tu peux sprinter. Hein. Nager avec une armure comme ça, les amis, ça ne marche pas. Celle de Fanny, à la limite, ça passe. Les Lémuriens étaient des marins qui se laissaient guider par les étoiles.
T'es sérieuse? On peut pas respirer. Qu'est-ce que c'est que ce gros boss? Waouh, mais c'est trop bien! Comment on pénètre? Oula! Je sais pas si on va le tenter celui-là. Au pire, on s'enfuit, on peut s'enfuir de toute façon. Attends, j'attire d'abord les premiers. Est-ce que tout le monde vient si j'attire les premiers? Oula, ils sont chelous ces lémuriens là. Non, 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 il n'y va pas, n'y va pas. Laisse-le venir. Ah, tu refermes la grille, toi, carrément. Là, c'est moi qui l'ai ouverte. Faut appuyer sur la touche d'action. Je sais pas du tout. Par contre, ils sont équipés de boucliers, ça va être chiant. On se le fait, le gros, là. Je sais pas ce que c'est, mais... Des quoi? Ah, mais c'est précieux, ça. Des lémuriens pourtant. Par contre le gros là, il ne m'inspire rien de bon. Je sens qu'on va se faire démonter. Attention, je tente. Attends, la porte se referme. On va pas rester enfermé à l'intérieur. Vas-y, récupère. Mais de toute façon tu vas l'attirer là. Attention. Oh, ça va, franchement ça va. C'est un petit boss. C'est juste un, c'est un gros poisson en fait. Ah oui, c'est un gros poisson, pas très très beau. En plus, quand il tape, c'est très gracieux. Alors que moi, j'ai le katana. 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 Oula. Katana. Dépouille-le. Cette saleté, il doit avoir de... ça se trouve, il a de licor sur lui. Vas-y, vas-y, tranche, tranche. Taillade-moi ça. Il a de licor, non? Pas d'icor. Par contre, la viande putride, c'est peut-être pas nécessaire de garder. Mais il n'y a rien d'autre ici que juste une salle de boss. Attends, il y a peut-être des trucs à apprendre là. Qu'est-ce que c'est que ça? Ces murs qui brillent. Souffle de Dagon, nouvelle aptitude appris. Je sais pas ce que c'est, mais ça fait plaisir. Il n'y a pas d'objet ou quoi que ce soit démonique. Je vérifie, hein. On n'est jamais trop prudent. Bon, bah, ça va finalement. On s'inquiète quand on connaît pas. Attends, je me prends un petit steak. Est-ce que l'eau, elle est buvable ici? Oui, elle se boit l'eau. En face, en haut, là. Il y en aura deux autres après. C'est grand, hein. On dirait pas comme ça parce que c'est sous-marin. On voit que les toits qui dépassent de l'eau. Mais c'est très sympa. Ça va, le souffle? Heureusement qu'il y a de... qu'il y a de l'air à chaque fois parce que... Ouh là là là. La forme simiesque des hommes est indigne du sang de Dagon. J'acceptais que vos lignées se mêlent afin de donner naissance à une troisième, plus forte et plus digne de l'existence mortelle qui vous attend sous les flots. C'est ce qu'on va voir. Ah, mais c'est juste un de tout à l'heure, mais c'est juste celui-là, il est plus balèze, c'est tout. Par contre, il a l'air d'avoir masse de PV, hein, par rapport à celui de tout à l'heure. Si, si, il est là, il est là. Tiens, il court vite en plus. Oh, les PV qu'il a l'air d'avoir. Oh la vache. Il fait preuve de célérité, hein. Faut que Gérald y tank. Oh, l'esquive. Tank un peu, Gérald. C'est moi, il tank, Gérald. Par contre, il prend très cher. Mais c'est quoi ce truc? T'as vu la vitesse où il attaque? Tu l'empoisonnes un peu, là? Attends, on va y aller. Chwing, 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 chwing. On l'étourdit. Continue de taper. Oh, on l'a gros. Agro-le. Oh là là. Oh là là, ce qu'on lui met. Oh, l'a défoncé. Oh, c'était beau. Les amis, dites-nous dans les commentaires si vous avez trouvé ça magnifique. Qu'est-ce qu'il gardait, ce sac à merde? Ancien trident lémurien. Bah oui, ce qu'il avait dans les mains. On va avoir des armes de fou, nous.
Je pense que les écailles de dragon, faut que tu gardes, hein. Ça doit servir à fabriquer les trucs lémuriens. Gérald, ça va, Gérald? Attends. Un petit peu, effectivement. Je vais lui donner de la chair humaine, j'en ai un petit peu, de la viande savoureuse. Non, il ne garde pas la viande putride, hein, ça n'a aucun... Regardez-moi ce sac qui gonfle de viande putride, les amis. Par contre, la chair humaine... Garde-le, garde-le. Précieux, ça. C'est bon, il a un petit peu... Il a un petit peu de viande. Ouais, garde-le aussi. Les flèches en silex, c'est de la merde. C'est parce que je suis ressorti. On a dit l'entrée d'à côté... En dessous. Il y a des lumières, de toute façon, c'est facile à reconnaître. Oula, il y a des espèces de trous noirs chelous. On devait prendre de l'indigo hein, dans la jungle. Bah, c'est là que je suis rentré, non? Je crois. Oula! Ça continue en profondeur. Non, c'est bon. J'ai eu peur. J'ai eu peur. Je t'attends. Oh non, il y en a encore un avec un trident de Seymour. Par contre, il est plein de coffres autour de lui. Il a plein de coffres autour de lui. Attention. Oh, ça va, il a moins de vie que l'autre de tout à l'heure. Aïe. Allez, on l'aggro. On l'aggro. Putain, on n'arrive pas à l'étourdir, lui, par rapport à celui de tout à l'heure. Aïe, 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 aïe. Si, 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 il est là, je le vois, il est dans la flotte. Il est fracassé, il court moins vite, mais par contre... Si, 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 il était là, je l'ai vu dans l'eau. Regarde, il est là. Il se tépait, t'inquiète pas. Par contre, si on est trop long... Alors maintenant, Yennefer, elle nous suit, donc c'est bon. Elle faisait suivre, il y avait marqué suit, donc... J'espère que tu l'as bien demandé. Oh, il y a de la thune! Des pièces d'or. Pourquoi je peux pas les prendre celles-là? Merci. Oh, j'ai de la caillasse. Allez, viens. Bah mine de rien, ça chauffe hein, quand même. Si on n'était pas à un level aussi élevé... On l'a faite celle là-bas, là? Putain, mais il y en a trop des trucs à visiter ici! Regarde, il y en a encore plein! Par contre, les espèces de trous noirs qu'il y a en dessous de nous, là, ça m'inaugure rien de bon. Hein. Je vais retourner à la surface. Je retourne à la surface prendre un peu de respiration. Et je pense qu'on pourrait peut-être mettre fin à la session pour la découper en deux, hein, parce que si on visite tout... On en a pour un petit moment, je pense. La vache, pour remonter, t'as intérêt d'avoir du souffle. Hein. Attends, je vais rejoindre la côte. Je suis remonté à la surface, il y a une plage là-bas. Je vais me diriger vers une plage. Fanny a trouvé un espèce de truc monstrueux, dégueulasse. Mais on se le fera plus tard. Reviens. Oui, oui, retourne à la surface, retourne à la surface. On se fera toutes ces salles plus tard. Je pensais pas que c'était si grand que ça. La cité lémurienne, nanananananana. Découpons cette session proprement. De toute façon, on revient ici quand on s'est déconnecté tout à l'heure, on est revenu ici. Et puis, bah, l'indigo, on le récupérera au retour, hein, j'ai envie de vous dire, les amis. Je pensais pas que c'était si balèze que ça. Il y a du monde, il y a du monde. Faut venir me donner un coup de main. Ah, mais ils peuvent tirer dans l'eau, eux. Ils sont sérieux? Tu peux tirer à l'arc dans l'eau maintenant. Ça c'est très fort ça. Katane! Katane! Oh là là! Allez, je vais crever! Oh! Fanny est en train de décéder! Je vais crever. Elle est décédée. Mais pourquoi t'as pas repris ton souffle correctement? Mais et ton cadavre va être au fond de l'eau. Pour récupérer ça, ça va être une galère sans nom. À côté de moi, t'es à côté de moi là. Heureusement que j'ai dit de me suivre à chaque fois.
Bon, où est-ce que t'as laissé ton corps? Ah non, c'est bon, il est là-bas, ton corps. Juste en dessous de la surface. Heureusement qu'il n'est pas tombé au fond de l'eau. Dans les abîmes. Ou dans les abysses. À chaque fois, je confonds. C'est ton cadavre. Bah, tu descends. Et tu fais tout prendre. Voilà. Par contre, est-ce qu'on peut le dépouiller? Oui, tu peux le dépouiller si tu veux. Pour le faire disparaître. Tu le fais pas disparaître? Attends, je le fais au pire. C'est un plaisir. T'as bien tout récupéré, hein? Ah, il met du temps à partir ton corps. Il est coriace. C'est bon. Allez, rejoins la plage maintenant. On peut aller la récupérer, elle est juste au-dessus. Dans l'espèce de petite baraque là. Par contre, le boss a du repop. Hein. Et il y a un coffre là qui m'intrigue. Bon. Il nous en a pas donné. Ah oui, non, je l'ai fait tout à l'heure. C'est de la merde. C'est de la paille qu'il y a dedans. De la paille et des cailloux. Est-ce qu'il a repop? À mon avis, oui. Je pense qu'il a repop. Ah, Yennefer est en train de se battre. J'entendais. Ou alors c'est toi que j'entendais. Oui, Yennefer est en train de se battre, hein, donc on va aller lui donner un coup de main, surtout qu'elle a pris très cher. Aïe, aïe, aïe. Mais c'est trop cheaté les katanas par contre. Aïe, 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 aïe. Me laisse pas mourir. Hop là, l'esquive. C'est bon, Gérald a repris le dessus. Parce que Yen prenait très très cher. Vas-y, venge-toi, venge-toi, venge-toi. Ah bah oui, il fait très mal celui-là, je te l'ai dit. Hein. Cutten. Attends, je vais me prendre un petit pansement. J'en profite, hein, pendant que le combat est à son paroxysme. Ah, il fait très très mal. Hein. À nos animaux, il fait très très mal. Voilà. Plus de bras. Pas de bras, pas de chocolat. C'est bon, Yennefer te reçoit. Voilà, c'est bon, parfait. Alors, on va se positionner là, hein, au pire, hein, comme ça, on arrivera juste devant le boss, et puis on retournera, on relancera, on passera par la plage qui est juste en dessous, au pire. Hein. On aura juste les mecs à se faire. On va pas s'arrêter là-bas, parce que sinon, quand on va revenir la prochaine fois, ils seront tout de suite là, les mecs. Donc, autant qu'on se mette ici, il n'y a personne. Eh ben, les amis... Nous vous invitons à vous abonner, à mettre le petit pouce bleu, le commentaire qui va bien. Y a de l'action là, hein, on vous a offert presque que ça, alors que j'avais prévu d'autres choses aussi. Mais bon, à chaque fois qu'on prévoit des choses dans Conan, ça se passe pas comme on voudrait. N'hésitez pas également à me suivre sur Twitter, @valmore333. On se retrouve très vite pour la suite de nos opérations. Salutations de l'infini.